Bonjour à tous, c'est Zetsu66 et bienvenue sur la suite de Vampire qui est tournée exactement à la suite. Ça fait même pas 2 secondes, j'ai juste fait une coupure pour pouvoir faire un autre épisode parce que sinon ça allait être trop long. Et nous allons continuer dans le palais de Hex. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi! Je vais t'achever toi, ok merci. Je vais récupérer les bagues en or et tout. Moi je m'intéresse aux richesses. Vous êtes capable de le tuer les mecs? Ça va? Ok. Corne. Croc de berserker. Contact de l'esprit. Boum. La fin commence à se faire. Okay, il fallait que je le fasse deux fois, c'était. La mort approche. Non, non, la mort approche pas. Vous pouvez tirer du précieux sang de mon corps pour... Plus 30 à graver. C'est extrêmement rapide. C'est extrêmement rapide, à une main. C'est plus 30, mais c'est plus 30 à graver. C'est la même chose que ça, mais c'est beaucoup plus rapide en fait. Et en plus ça, c'est à deux mains, donc c'est de la merde. Mais ça, c'est à une main, 30 à graver. Puis c'est extrêmement rapide, plus rapide que ça, donc je vais l'essayer. On va laisser l'essayer, voir qu'est-ce que ça va donner. Donc je vais aller récupérer l'argent qu'elle a. Boire une petite potion. Ok. Oups, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Ok. En fait, je vais enregistrer pendant que j'y pense. Voilà. Maintenant que j'ai la fonction enregistrée, je me casse pas trop la tête. Non, 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 je suis figé. Lorsque je suis figé, y a rien que je peux faire. Je me fais défoncer. Lâche-le, lâche-le, lâche-le. Une chance de sauvegarder parce qu'on s'arrête fait. Parce qu'on s'est fait démonter. Ah, okay. On va recharger, on va utiliser une stratégie extrêmement efficace en fait qui s'appelle combinaison entre puissance et célérité. Je me sens faible, je manque de sang. Allez au diable. Qui me permet de taper beaucoup plus vite et plus fort. Non mais je me fais tuer quand même parce qu'il me bloque. Non, je suis mort quand même, donc ça servait à rien. Appelle quelqu'un, Eric, fais quelque chose. C'est vilain. Ok, non, non, on peut rien. Non, non, c'est rien, ça marchera pas, ça marchera pas. Ok, faut trouver une autre stratégie. Une autre stratégie, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ok, attendez, attendez. Je vais trouver une solution, je vais trouver une solution. Pas extrêmement de pouvoir. Déjà, puissance et sécurité, ça me semble pas mal. Ensuite, toi, murmure de fauve, appelle les animaux, ok. Tu vas me faire ça. Non, ça va faire appel. Ok. Willem, tu vas faire forme de la bête. Moi, je vais faire puissance et sécurité. Et on fonce. Je manque de sang. Non, lâche-moi. Non, merde. Comment voulez-vous? En plus, j'ai jamais pas marché mon pouvoir de célérité en fait pour être plus rapide. Mais comment voulez-vous que je me défende? Regardez-le. Là. Il m'a grippé. J'ai rien pu faire. Et là, je suis en frénésie extrême. Et en plus, il me nourrit. Y a pas moyen de les empêcher de se nourrir sur moi. Attendez. On recommence. Cette fois-ci, on se trompera pas. Je me sens faible. Je manque de sang. Allez, 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 allez. Nah, non, mais sérieux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Eric, tu l'es. Tu en un.
Non, fiche pas, sois pas figé. Pourquoi elle a une fiche? Tu me figeais pas au début du jeu. Allez! Abandonne-moi pas. Non, lâche-moi, putain. Allez! Allez! Lâche-moi, tu vas mourir, toi. Sérieux, là? Je vais te péter la gueule. Non, pourquoi tu me... Non, y a-t-il un moyen qui peut pas me figer? Arrêtez! Arrête ça, là. Défige. Allez, Eric, s'il te plaît. Achève-les, achève-les. Il est pas blessé du tout, en fait. Non, 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 la bête s'étire pas. Tu vas être capable de défendre seul tes oppresques. Eric se défend plutôt bien. Mais s'il arrête pas de m'agripper comme ça, il n'y a aucun moyen que je puisse empêcher de me faire ça. Et en plus, c'est une fille. Non, je vais me faire tuer. Donc, on va recharger. On va recharger une autre fois. Alors, je m'excuse. Je m'excuse. Je suis pas capable de le faire. Je sais pas pourquoi. Là, parce que d'habitude, il y en a juste un. Là, il y en a deux. Et en plus, il réussit à me figer et m'a mordre. Donc on sait, puissant, ça permet de frapper plus fort, mais ça fonctionne pas. Forme de la bête, ça fonctionne pas. Donc ça va faire griffe et puissance. Moi je vais faire puissance tout court. Puis toi tu vas coller quelqu'un, puis je vais contrôler Eric. Allez. Allez. Bon ben, Christophe est déjà mort, ça va super bien. Et moi, je suis déjà mort aussi. Je sais pas comment je vais faire pour passer ça, sérieusement. Au pire, on va juste skipper. Hein. Je peux passer tout droit, salut. Vous me voyez pas? Vous me voyez pas? Ben, je crois pas que c'est une salle obligatoire, fait que je vais seulement la skipper. Hein, on s'en mettra pas pour rien. Ah non, ils ont vu les autres. Ils ont vu les autres et ils ont tous tué. Lâche-moi! Non! Ok. Mais mort, bordel! Non, non, soigne-toi. Vilain. Ok, c'est bon. Nourris-toi, c'est bon. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Ok, ok. J'ai plus de parchemin d'éveil. J'ai sauvegardé pour rien. Super. J'ai sauvegardé pour rien. Toi. Chercher l'ennemi. Non, pas chercher l'ennemi. T'as pas. Non, ok, il faudrait que je l'augmente plus. Ok, donc je suis dans la merde. J'ai sauvegardé tout seul. Il y a plus un parchemin d'éveil. Ce calice n'a rien à donner. Ok, attendez. Ok, non, pas enregistré. Non. Ok, ça c'est la safe state pourrie. C'est moi qui est par chemin d'éveil. Un grand arc incendiaire. Ouais, ça, je vais garder, je vais acheter ça. Quoique c'est une hallebarde idéale. Je pourrais acheter le gain à place. Ok. Grand arc incendiaire. Est-ce qu'il y a des munitions? Il y a 20 munitions dedans. On va essayer de s'en servir.
J'essaie de m'infiltrer. Ah, sérieux, il y en a trois. Ok. Alors, soit je cours, je ramasse ça et je m'enfuis. Est-ce que je peux faire ça? J'ai besoin de sang. Merci, enfin, ça marche. Pour une fois que quelque chose que je veux faire fonctionne. Et là, je vais aller chercher des parchemins de l'éveil, hein, parce qu'il faut au moins que je réveille au moins un, parce qu'il faut que je réveille Christophe. Là, je coupe pas parce que c'est vraiment juste à côté. C'est ici. Ok, parchemin de l'éveil, s'il te plaît. Soyez les bienvenus. Parchemin de l'éveil, j'espère que t'en as un. Normalement, tu devrais en avoir. Parchemin de l'éveil, merci. Ok. Que Dieu vous aide. Ok. Christophe. Je me sens faible. Je manque de sang. Tu vas me boire ça. Ça va te soigner. Soigne encore. Ensuite, je vais réveiller. Une chance que j'ai ce pouvoir-là. La faim commence à se produire. La faim prend sa rage comme une bête. Ok. Ouais, toi, tu vas boire ça. Ok. Ensuite, je vais vendre une coupe d'affaires à lui pour acheter du sang. Ça va bien, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. J'ai été chanceux de pouvoir voler le truc et m'enfuir. Sérieusement, j'aurais pas réussi à faire ça. J'aurais jamais pu réussir à faire ça. Une chance que je me suis enfui, en fait. C'était le seul moyen de réussir ça. Je crois pas qu'il y avait d'autres moyens. Ça, je m'en sers jamais. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. C'est des trucs de feu. Boule de feu. Ouais, si on a l'abîme, je peux le garder. Ok, une poche de sang. Allez, fais-moi plaisir. Encore. 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 Ok. Et plein de sang normal. Okay. Que Dieu vous aide. Poche de sang, qu'est-ce qui est utile, c'est qu'il y a 5 charges. Donc c'est comme 5 bouteilles en une. Et je crois que c'est le prix est quand même moins cher que acheter 5 bouteilles tout seul. Parce que c'est 60 x 5 ou 360 quelque chose. Donc je crois que c'est équivaut peut-être. Bon. Il y a 4 charges donc. Ce qui est fun, c'est qu'avec une poche, je peux nourrir plusieurs personnes. Ok, et il m'en reste. Ça, je vais les garder de côté. C'est toujours très utile. Ça va, on est arrivé, on y est arrivé. C'est juste que ça a pris du temps. Il a fallu que je m'enfuie. Mais c'était la seule solution. Je veux dire, c'est que c'était impossible. J'aurais jamais pu réussir à faire ça. En temps normal. Ok. Donc là, on va y retourner. De toute façon, c'est terminé. J'ai les 3 morceaux. Je sais pas ce que ça va faire. Bon, moi, j'ai du sang et j'ai pu réanimer tout le monde. C'est quand même une bonne nouvelle. Parce que je m'attends à un boss ou quelque chose du genre. Ok. Posons le dernier morceau. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait disparaître le seau en haut que j'avais même pas vu qu'il y avait parce que je n'étais pas allé en haut. Mais je crois que j'étais allé en haut, mais j'avais pas remarqué qu'il y avait un seau. Enfin, je pensais pas qu'il y avait une porte derrière ça. Comment parier qu'il y a un boss ici? Qu'est-ce qu'on est supposé faire? Entrer dans le palais d'Ux et récupérer le journal.
Ah, le journal d'Etrius, il est là. Je l'ai. Ok. Boss. Bien, bien, bien. C'est Etrius, c'est lui, Etrius. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Les dieux sont avec vous, car toute autre nuit, les forces trémérées au complet vous auraient réduit en poussière. Quittez les lieux, ou votre mort sera aussi vile que vos offenses. Où sont les esclaves? Où est Aneska? Pauvre malheureux, je n'ai point de temps à vous consacrer. Je dois rejoindre les combats contre les villes s'immiscer. Vous ne comprenez point de quelle générosité je fais preuve en vous laissant fuir. Allez, fuyez. Rendez-nous les esclaves. Ou il faudra songer à sauver votre peau. Comment? Mais votre témérité n'a d'égal que votre inconscience. Etrius est hors d'atteinte de vos armes. Il ne l'est pas. Mais Eric peut faire en sorte qu'Etrius soit définitivement hors d'atteinte. Je saurais me souvenir de votre insolence, ancien gangrel. Inutile de verser plus de sang. Je réclame les esclaves Bruja et la mortelle Aneska de la caravane d'octobre. Rendez-les-moi, et nous laisserons cette demeure en paix. Et si je ne vous les donne pas? Je ferai éclater votre crâne chauve entre mes dents, comme un melon trop mûr. Je vous avertis, Gangrel. Dans la fondation d'Ardane, vous êtes presque parvenu au terme du cycle de transformation. Je vais achever cette tâche. Contemplez le pouvoir. Allez, allez, on va te tuer, on va te tuer. Je suis sûr que je t'ai. Je renais. Qu'est-ce qui se passe? Non! Ah merde! Eric s'est transformé en gargouille. C'était son destin. En plus, je l'ai sauvé. Il allait se faire transformer quand je l'ai sauvé. Mais j'ai réussi à le sauver. Je m'excuse, Eric. On n'a pas le choix. De toute façon, t'es hors de... Il se contrôle plus. Parce que sinon, il nous aurait jamais attaqué. Fait qu'il n'y a plus... Repose en paix, mon ami. Il n'y a plus de... De conscience. Adieu. What the fuck, c'était quoi le adieu? Vous avez entendu la voix? C'est genre fait adieu mon ami. Là on a entendu adieu. Sérieusement? Ok, mais c'est pas grave, on va l'avoir, on va l'avoir. Ok, là, je vais skipper ça, je peux pas le skipper. Je vais faire une ellipse jusqu'à temps d'avoir tué Eric et ensuite je vous retrouve. Ok. Là, je tourne en rond parce que j'essaie de pouvoir utiliser ça pour réanimer elle. Mais ça fait chier qu'Eric soit mort en fait. Allez, on va le tuer. Faut juste bouger. Parce que sinon, quand il fait ses attaques de pluie de feu, faut juste bouger. On va l'avoir. Avec puissance, ça va super bien. Parce que je tape beaucoup plus fort. Et il y a un vogue des gars et des golems. Pas des golems, mais des élémentaux. Non. Ok, faut que je bouge. Non, il va me tuer, je suis figé, il m'envoie du feu, c'est quoi? Putain. Je suis obligé de tout refaire encore. Ok. Excusez-moi, cet épisode aurait été très long et très... Moi, je pourrais dire... Très... Bah, difficile, là, je veux dire, je suis mort plusieurs fois. Hein. J'ai oublié le mot. Vous savez ce que je veux dire? Très... Bref. Je reviens. Ces sculptures sont étrangement similaires au dessin de l'entrée. Je pense qu'il s'agit des gorges d'une serrure magique. En fait, je t'ai jamais allé. Non, tout de suite. Ok, re. Bon, il est mort. Repose en paix, mon ami. Ton âge. Adieu. Et c'est lui qui dit adieu, mais il n'y a pas la même voix. Ça brûle. Non, tasse-toi de là. Bon. Non. Non, moi je recherche ça. Je refuse de mourir comme ça. Repose en. Oui, parce que j'ai réussi à sauvegarder avant. Non. Hey.
Tu me touches pas là. Putain, pourquoi? Ah. Non, je recharge. Excusez-moi. Pas question, non, mais il me fige de. Non, c'est de la triche. Il me fige et. J'ai réussi à me tirer du feu ou des éclairs, sinon il me fige. Je peux plus rien faire. Regardez, je vais. J'en ai plus rien à foutre, je me mets à deux mains. Voilà. Et la mort approche. Reviens. Non. Hey. Tu me laisses-tu faire mes affaires en paix, s'il te plaît, espèce de gros. Je peux pas t'en donner du sang parce que je suis en train de me faire défoncer. Il est mort. Oh lui! Yes! Il est maudit. J'ai enduré le reflux de la magie de mon monde. Ouh. J'ai enduré la perte volontaire de mon âme. C'est quelque chose. J'ai gardé quelques étincelles d'enchantement dans un monde souillé. Enfin. J'ai enduré la sérénité enrageante de Solo à l'article de la mort. Mais je refuse de supporter plus longtemps le manque de respect d'un novice Bruja et de sa troupe. Écoutez-moi, Prométhéen. Votre cher Nesca n'est point là. La caravane d'octobre de cet imbécile Torsi n'est pas parvenue au palais de Hex. Les Simici ont tendu un piège près de Prague et se sont emparés de la caravane. Et pendant que vous me faites perdre mon temps, ces démons se préparent à dévaster le monde. Partez maintenant et laissez-moi en paix. Je n'ai jamais voulu m'immiscer dans les intrigues des morts-vivants. Et pourtant, je risque ma peau dans chacune d'elles. Cela m'a-t-il rapproché d'Anesca? Ai-je plus d'humanité pour autant? Je ne puis vous répondre. Oh, Christophe, mon cœur saigne de vos malheurs. Ah! Enfin, je peux augmenter mes points. Ok. Bon, déjà réveillé, ça, je vais l'augmenter parce que c'est très utile. Ensuite, c'est quoi j'avais dit que je voulais mettre guérison, je vais l'augmenter au max. Se nourrir, on s'en fout. Progression dans l'abîme, un point là-dedans, un autre point là-dedans, ok. Et le reste, je vais augmenter ça à 70, c'est dextérité, voilà. Toi, je vais augmenter ta dextérité, ok. Ensuite, réveiller, je t'achète deux points dans réveiller parce que toi aussi, je vais te mettre des points. La même chose que Christophe parce que c'est des pouvoirs qui sont très utiles. Main de destruction. Décomposition, cause des dégâts gravés sur la cible touchée, allez, contact acide, atrophie. Ensuite, toi aussi, je vais te mettre réveillé, voilà. Guérison, pourquoi pas. Ensuite, fléau du vent, voilà. Non, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Excuse, parce que j'ai pas. Minimum 60 d'intelligence, allez, comment l'intelligence? Bon, ben, je vais augmenter son intelligence. Ok. Voilà. Je vais pouvoir enfin récupérer tous les objets qu'il y a ici. Ok, bon, c'est des petits des items pas tellement forts. C'est des trucs que j'ai déjà ou que j'ai déjà eu. Par contre, ça, je l'ai pris parce que à une main, en fait, c'est trop difficile. Donc, je vais le garder à deux mains. Ça permet de faire beaucoup plus de dégâts. Quitter Vienne par la porte nord et retourner à Prague. D'accord. Ok, mais ça, on va le faire dans le prochain épisode. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, je m'excuse de m'avoir un peu emporté, mais là, c'était n'importe quoi. Je veux dire, c'était tellement difficile et que... J'ai un petit peu ragé, ce qui est pas vraiment de mon habitude. Mais c'est pas grave. Donc, voilà, j'espère que vous aurez quand même apprécié la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye, tout le monde. Même si, des fois, je me fâche sur Donkey Kong. C'est vrai aussi. Bon, ça arrive pas tellement souvent. Bon, c'est pas grave. Bon, à la prochaine. Bye.